Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau colis, d'un nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Donc ça fait pas mal de temps que je l'attends. Beaucoup de gens l'ont déjà reçu, mais j'étais absent en début de semaine, donc j'ai pas pu le récupérer et il restait quelques jours à la poste. Alors niveau Kickstarter, c'est un Kickstarter qu'on a fait en octobre 2016. Ça commence à dater. Qui devait sortir en novembre 2017 et donc qui est sorti, donc il est arrivé à la poste, on va dire le 8 octobre 2018. Donc ça fait quand même un sacré grand colis. D'accord, alors j'espère qu'il n'y a rien eu. Petite surprise de la poste. Colis complètement déchiré. Bon, maintenant, est-ce que c'est la poste? Est-ce que c'est le transporteur? J'en sais rien, mais c'est toujours désagréable quand on a un coup pareil. Donc on va aller voir s'il y a tout, s'il manque rien, et vous montrer ce que c'est quand même aussi. Alors, la première boîte que j'arrive à choper, alors je sais pas si avec les reflets ça va aller. Deep Madness The Oracle Betrayal Extension. Pas mal de choses. Donc voilà, donc un jeu qui est vraiment attendu depuis, en tout cas pour moi, pas depuis pas mal de temps. Je pense que c'est un de mes plus gros KS. Deep Madness Uncounted Horror. Alors je pensais que les boîtes étaient en français, mais bon. J'espère que j'ai bien eu la version française. Sinon ça va reporter. Hop. Deep Madness. Endless Nightmare. Encore Deep Madness, Rise of Dagon. Bon, en tout cas, les boîtes sont nickel, ça c'est déjà une bonne chose, même si le colis a été sauvagement agressé. Et Deep Madness, la boîte de base. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc Deep Madness, vite fait. Dungeon Crawler, un peu futuriste temps moderne avec mélange Alien et Lovecraft. Hop. Et deux petites boîtes aussi. Alors quand j'ai su qu'il arrivait et que forcément c'est les jours, je pars deux jours en formation et ça arrive ces jours-là. Forcément, juste quand je décolle pour Strasbourg. Bonjour, colis, dommage. Alors, le petit bonus. Alors, hop. Celestial. Donc, on verra ça plus tard. Bon, on va, le pack de traduction. Alors, ça, c'est. Je trouve ça super. Je pense qu'il y a certaines sociétés, type un peu ceux que je vise là-bas, Zombicide, qui pourraient faire pareil. Hein. C'est version anglaise, certes, mais pour les backers. Un petit truc version française, il y a les cartes, toutes les cartes des extensions, les fichiers personnages, la notice, tout est en français. C'était payant, 5-10 dollars je crois. Mais bah voilà, au moins on a toutes les cartes, toutes les notices et tout en français. C'est quand même mieux, même si bon, ça reste de l'anglais facile. Mais bon, c'est toujours plus compréhensible, etc. Là, ils ont fait un super effort de tout mettre en français. Vraiment super. Et alors, dans la dernière petite boîte. Oh. Plein de monstres. Spawn of the Lager, Epic Monster. Dévoreur de monde, toujours un Epic. Pénitent. And Forsaken.
où est-ce que je vais mettre tout ça. Dimension Rift. Donc je vous montrerai un peu ça un peu plus tard. Là, je fais un petit déballage rapide. Insidious. Là, avec la lumière et tout, comme ça, on voit pas trop. Un petit héros. Bonus KS, je pense. John Murdoch. Ah non, ça c'est les bonus, ouais, par rapport aux extensions. C'est vrai qu'il y avait... Et Ward Philip. Et un petit chat. Ça, je vous raconterai l'histoire, si j'oublie pas, je vous raconterai l'histoire du petit chat. Et je pense que c'est tout, mais bon, c'est déjà... Alors, hop, il reste que des papiers. Voilà, ça fait déjà un bon petit colis. Plein de jolies boîtes à ranger, en plus je trouve le style vraiment magnifique. Voilà, hop, essayer de mettre devant. Voilà, donc maintenant il va falloir déballer tout ça et voir ce qu'il y a dedans. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure pour la première boîte.